Alors bonjour à tous, c'est 20h21, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui c'est des achats, c'est tout ici. Donc en fait, pour ceux qui sont sur Dijon et puis pour ceux qui me connaissent, vous savez où que je vais à mon magasin de jeux vidéo, donc à Street of Cash sur Dijon. Donc en fait ils ont racheté il n'y a pas longtemps une grosse collection de jeux vidéo, mais vraiment beaucoup beaucoup de jeux vidéo. Donc il y avait de tout, de la Neo Geo, de la Super Nintendo, de la GameCube, de la Nintendo 64, de la PS4, 50 000 exemplaires, beaucoup beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai pas pu tout acheter parce que le compte en banque il va, voilà. J'ai quand même fait des beaux achats pour aujourd'hui. Donc voilà, il y avait de la Game Boy, il y avait tout plein de choses. Voilà, je ne saurais pas tout lister, de la PS1, PS2, vraiment une grosse grosse collection de jeux vidéo. Donc voilà, j'y suis passé tout à l'heure pour 14h30. Des belles pièces étaient parties ce matin à 10h. Il y avait une queue pas possible apparemment au sein du magasin. Donc voilà. J'ai quand même fait quelques achats. J'en ai eu 120 euros. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer spécialement un peu. Il n'y a que de la Xbox One, parce que des collecteurs sur Xbox One, on n'en trouve pas souvent. Donc voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de PS4. J'ai rien trouvé en PS4. Il y avait plutôt de la rétrocompatibilité. Rétro. Oh là là. De la rétro. J'y arrive à parler, moi. Donc voilà, j'ai pris un peu. J'ai pas pris beaucoup. Je voulais prendre plus, mais bon. Des Super Nintendo et tout, voilà, ça fait rêver, Neo Geo, Dreamcast, mais bon, c'est des choses, voilà, qui arrivera peut-être plus tard. Voilà. Alors, on va commencer par les petits jeux comme ça. Bah, il y a plus des collectors qu'autre chose dans cette vidéo. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, Heroes, une aventure Disney Pixar pour 10 euros sur Xbox One. Donc voilà, c'était dans ma liste sur Amazon. Donc là, pour 10 euros, ça va. Donc il était à une vingtaine d'euros. Par contre, il est un peu. J'espère qu'il passera. Normalement, c'est bon. Donc, voilà. Donc, exclusivité Xbox One. Donc, on peut que le trouver sur Xbox One, celui-là. Donc, il était à 20 euros sur Amazon, donc là 10 euros. Et il y aura le Disneyland Aventure sur Xbox One aussi, qu'il faudra que je trouve. Toujours sur Xbox One, Metro Exodus pour 15 euros, Limited Aura Edition. Tac. Alors, dans l'édition. Donc, j'ai l'édition Steelbook. L'édition Steelbook. Là, c'est tout plein de codes, donc je ne vais pas me montrer. Une très belle édition Steelbook avec le train. Et un artbook du jeu. Et puis une boîte métallisée. Hop. Là, j'ai pris surtout de la Xbox One. Il y avait un peu d'autres collectors. J'ai pris plus de la Xbox One parce que des collectors, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'ai que le Call of Duty Black Ops 4 en collector Xbox One. Donc voilà. Deus Ex sur PS3 pour 8 euros en collector. Pareil, sur PS3, j'ai pas beaucoup de collectors. Donc dedans, pas de boîtier Steelbook. Juste le DVD du jeu, le jeu PS3, mais je sais même pas si je l'ai déjà celui-là. Et puis là, bah, ça doit être des codes, ça, à mon avis. Voilà, ça, c'est des codes. Mission tactique. Mais j'en ai un sur PS4. Il faudra que je regarde c'est lequel. Plus un artbook. Voilà. J'ai pas regardé les CD dessus. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Donc voilà, une autre édition sur PlayStation 3, j'en ai pas beaucoup non plus. Tac.
Aussi ça, des pièces, des accessoires Wii U, on n'en trouve pas beaucoup. C'est dommage, j'avais des manettes aussi Wii U Pro Controller, ce que je cherche aussi, mais il n'y en avait pas. Donc, si, il y en avait, mais elles étaient déjà vendues. Donc, l'adaptateur Wii U pour les manettes de GameCube, pour 15 euros. Donc, on va ouvrir ça. Apparemment, ça a été jamais ouvert, à mon avis, ce que j'ai pu comprendre. Ouais, donc je vous montre vite fait, je vais laisser quand même comme ça. On va laisser neuf quand même. Je sais pas si je vais l'utiliser maintenant. Bon après, je sais pas quel jeu on peut jouer avec les manettes de GameCube. Je sais que Super Smash Bros. Oui. Après, à voir pour d'autres. Tac. Je sais pas par quoi le gros collector ou pas. Parce que j'ai une petite console, donc je vais déjà vous montrer la console. Donc, une Game Boy Advance translucide. Toc. Donc, pour 40 euros. Donc, c'est moi qui avec le cache-pile officiel. Donc, j'ai mis c'est moi qui ai mis les piles et puis c'est moi qui ai mis un jeu. Donc, voilà. Là, je sais pas si on va voir à l'écran. Si, c'est bon. On voit. Donc voilà, elle marche parfaitement pour 40 euros. Donc ça faisait partie des lots qu'ils ont acheté ça. Je vais pas jouer au jeu pour l'instant. Donc voilà, ah je les ai les câbles comme ça. Donc il y avait aussi la première Game Boy. Donc la première Game Boy qui est à 180 euros en boîte. Donc vraiment pas mal. Donc voilà, hop. Et pour finir, un collector que je voulais. Il n'y a pas spécialement de choses dedans, mais c'est un collector que je voulais. Donc Just Cause 3 sur Xbox One, en édition collector. Je voulais spécialement sur PS4, mais bon, sur Xbox One, voilà. Donc dans l'édition, nous avons le jeu, la map, l'artbook et le grappin. Donc je vais vous montrer, on est à qu'à 7 minutes de vidéo, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc comme ça me refait une édition collector. Par contre, je ne sais pas où je vais la mettre parce que vous savez que je suis déjà rempli au niveau collector chez moi. Le grappin, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je pense, parce que je ne vais pas le monter. Donc nous avons le jeu, le sous-blister. La map du jeu. L'artbook du jeu, qui est très sympa. Et comme c'est un jeu que j'adore, Just Cause. Et dedans, il y a, bah, je peux vous montrer un peu. Parce que j'ai pas envie de péter. Allez, viens là, toi. Et le grappin Just Cause. Voilà. Donc il est tout complet, il y a vraiment tout. Voilà. Mais je le mettrai monté dans mon setup, mais plus tard. Parce que pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Tac. Voilà. On va remettre tout bien. Donc en tout, j'en ai eu pour 120 euros. Vu que voilà, j'ai quand même pris beaucoup, il m'a fait une petite réduction de 3 euros, c'est pas mal. Voilà, donc je le remercie. Donc voilà, pas mal de collector et une nouvelle dans la collection. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, commentez et partagez. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!